Et oui. Oh, bonjour, bien sûr, Banzai Live. C'est la mauvaise fin de Bloodstained. Mais comme on n'est pas des bêtes, on va se bouger le fion. Il y en a eu des portes fermées, donc bien sûr qu'il faut pas tuer Goebbels à la première occasion. M'avez-vous pris pour un amateur? Aïe! Déjà, on avait pseudo-zappé un boss là. Je sais pas trop où. Du mitril. Ça fait longtemps qu'on n'est pas retourné au Berkai. Moi, j'y pense pas aussi. Ah, mais attends! Bon, j'aurais voulu rebondir dessus, mais je pense qu'on volera plus tard. Des génoises, mon préféré! Non, je voulais pas l'esprit du chariot. Ah ouais, c'est un vrai familier legit. Oh, mais il est dégueulasse. Y'a rien de plus pourri que ça. Non mais stop. Mais je vais crever. Qu'est-ce qui nous arrive? Quoi, encore un autre décor? Vous en avez pas marre? On pourra y aller plus tard. Et comme par hasard, c'est le clocher. Oh, le décor est du mieux vilaini. C'est un rang. Je croyais qu'il y avait d'autres boss en fait. En fait, j'ai confondu cette porte vers le clocher avec une porte vers autre chose. Et non, mais je m'en fiche, je prendrai même pas la peine de vous taper dessus, enfin c'est ridicule. Ouais, ce décor c'est le plus beau du jeu jusqu'à présent quoi. Ah voilà, là on débloque ça, ok. Ouais, et ça du coup ça ressemble à l'escalier de Dracula, donc t'es censé comprendre. Faut pas y aller nerf ou quoi. Oh non, pas lui! Oh, une nouvelle coupe, yes! On sauvegarde là. Et on va voir les gentils. Plus. Je sais pas quelle arme j'aimerais mettre dans... Non mais en fait c'est que je veux pas mettre une des âmes de Eye of Sorrow, je veux jouer à Eye of Sorrow 3. Et ce sera mieux que tout ça.
Enfin, mieux que tous ces trucs là. Donc, ce sera jamais pire. Après, la faute à Konami, hein. Je serais pas sorcier. De faire un Castlevania qui se démarque. Et qui n'est pas ridicule. Attendez, bougez pas, il faut que je vois si. Je fais pas de la merde. C'était important. L'anneau du voleur. La mémé, elle a dû nous traquer. Le message de Zangetsu vient d'arriver dans une quoi, pardon. Mais merde, putain, j'ai pas lu. La 7 un océan de carnage. Je suis donc capable de collecter le sang instantanément sans y poser la main. Mission, ça prend. Je serais pas aussi là-bas. Ça paraît correctement. Pas compris, j'ai pas écouté. J'ai si peu d'or, sérieux? Qu'est-ce que je pourrais vous vendre enfin? Bah, toutes sortes d'armes, mais bon, j'aime bien à vous être une poubelle en fait. J'ai des mondes dehors, ils sont vraiment effrayants. Tu veux une génoise, mamie? Ah, c'est pas ce que tu voulais, excuse-moi. Tu voulais des frites et un café? Pardon? Ah non, des frites au ketchup? Des frites et une petite dosette? C'est ça? La 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 la, du Ryokuri. Yatta. Yatta. Tout ce que je peux faire avec tout ce que j'ai. Oh, sérieusement. Une pierre molle. Je peux faire la couleuvrine. Du mousquet utilisé par la cavalerie. Un bandeau, la couronne de plume. Tenez. La veste canine, waouh, elle a la classe en plus! Ah oui, mais c'est vrai qu'on la verra pas, lol. La polonaise. Oh, c'est stylé en vrai. Hein. Zbla. Anneau de foudre, de glace. J'en ai déjà un, anneau de sécurité. L'écharpe de fée.
En fait, c'est que si cette écharpe ne ressemble pas à un vieux torchon, je la prends déjà d'avance. La papapipapoup. Artisanat. Pas améliorer mon reflet. Chevalier d'argent devient plus puissant. Chevalier d'argent devient plus puissant. Chevalier d'argent devient plus puissant. Voilà. ところでシャドに戦えばかなりの素材を必要とつまり装備しなくても効果を発揮するようになるんだ. Ah oui, mais le mic. Tu optimises les fragments jaunes au rang max. J'ai besoin de les équiper. Ah. Je vois. Pipi papou pali la la la. J'en ai marre d'avoir ce masque nul là. Allez, tant pis pour l'anneau maudit. On tape vraiment beaucoup plus fort avec. Ça, c'est important quand même. Le tutu, allez. Là, t'as pas un truc quoi qui soit pas de la grosse chiasse. Allez, ouais, putain, ça ressemble à un perso. Donc il m'a dit quoi? Mais non, mais attends, répète-moi ce que t'as dit. Pourquoi tu veux pas me répondre à moi? J'ai la flemme de te vendre des trucs qui valent de l'argent. Mais attends, mais tous ces trucs, la chaîne, châtaignier, nanana, c'est pas pour looter, pas pour fabriquer des armes? Il a dit un vampire qui pompe le sang sans toucher les gens, attention bobo. Bah oui, mais... Et là, avec ce que j'ai, je peux pas fabriquer des trucs mieux que cette merde, quoi. C'est pas trop mal, mais non. J'aime bien ma défense pétée. Ça, c'est juste fabriquer un truc. Ouais, mais pourquoi je n'utilise pas ce fragment? What the fuck? Ouais, je peux le faire deux fois en plus. Et oui, mais l'arme des grandes épées. Voilà, et là, du coup, là, on va faire bobo. Baba! Bon, si j'ai pas le droit d'aller tuer l'autre pimpoy, je dois branler. Faut tuer 6 aussi pets. Mais toujours pas de tuer 10 gars.
Ouais, du riz. Je pense qu'il faudra des patates pour faire des... Ah mais qu'est-ce que tu voulais déjà, toi? Du riz au curry? Ah, tu voulais un anneau de feu. J'ai pas ça. Je l'ai. Papi papoulapa. Là, il y avait des trucs un peu bizarres là dans les souterrains, visiblement qu'on n'a jamais pu aller. C'est loin. Ouais, cool. Tu sais moi. Voilà, j'ai pas que ça à foutre. Hein. Aïe. Oui, l'animation est affreuse. Ah là, il faut une clé de destrier. Ah oui, d'accord. Et du coup, là, j'avais pas fait, j'avais pas mis de... Ça, c'est une porte. Ah, si je descends, je sais plus ce que je vais trouver là-bas. Mais... On sait toujours pas nager en fait, c'est trop bizarre qu'il y ait déjà la fin quoi. Ah, qui m'est déjà laissé aller me battre contre. Ah, c'est là que je veux aller. Hein. C'est les meilleurs persos, les Shovel Knight. Hein. C'est des espèces de coffres qui reviennent, j'ai l'impression que c'est de façon cyclique un peu. C'est juste une porte en fait. Et du coup, il y a tout un circuit à faire. Et là, ça c'est de l'eau.
Donc rien à voir, et l'eau, tu peux pas te téléporter dedans, je pense. Oui, d'accord, on level up comme ça. Pas spécialement quoi. On sait jamais. Ah oui non, ça marche même pas dans l'eau. Ok d'accord. Donc 0, donc c'est pas du tout cette strat là qu'il faut utiliser. On a rien à foutre là, MDR. Oh putain, en plus c'est hyper loin de rentrer, c'est hyper chiant de rentrer quoi. Restez avec nous pour un bon jeu. Dans Aria of Sorrow, fallait bien, il te donnait une énigme en trois fois et il te disait et en fait il fallait bien lire la description de chaque âme pour bien pour avoir en fait le combo qui faisait que tu que quand tu battais le boss avec ça en fait tu te révélais comme Dracula et Binamana et après tu finissais le vrai jeu quoi. Confiant, tu vas en chier si t'as pas de bol. Ah. Ça nous rendra pas le combo. Ouais c'est ça, fallait flamme, chauve-souris et je sais plus quel autre truc. Très certainement. Et là tu vois je me prends des... Il y a des flèches qui arrivent dans tous les sens, mais ça c'est quoi? C'est mon chevalier qui lance ça? Attends, il y a un monstre qui peut boire le sang. Nanani nanana. Merci Giko Butch. Merci à toi. C'est vrai qu'on n'a toujours pas expliqué cet hôtel. Un peu la boum du cimetière, effectivement. Attends. Il y avait quoi là? Comment on a pu passer à côté de tout ce bordel là? Enfin, c'est moi la mémoire. C'est un peu le Dark Souls des questions. Zbli
Oui, de l'autre côté là-bas, c'était de la faute aussi. Ouais. Putain, mais... Je vais juste rebondir sur une chauve-souris, en fait. Oh putain! Pff, quel gros con! Normalement, il y a moyen de monter en 2-2 là. Un peu près sûr de l'avoir déjà fait. Putain, mais c'est chiant. Je sais qu'on l'a fait en plus en rebondissant sur l'autre gars, quoi. J'ai pas bien le compte des clés qu'on a récupérées. Moi ça je sais que je peux pas l'ouvrir. Néogenesis, tu monopolises le chat. Connais-toi. Où a-t-on trouvé de petits interstices? Il y a pas mal de trucs qui restent à explorer, à démystifier, n'empêche. Attends, déjà c'est chaud d'aller là-bas. Ta gueule le chat! Ah, je me disais bien. Maca8Q8. Quoi, on n'était jamais allé là? Ah, je vais oublier les miroirs d'ici, quoi.
Je veux tout de l'argent. Dans la vraie vie. C'est une métaphore. Il y a un mode qui remplace le tableau des backers par les artworks de Castlevania. Du génie. Des pommes, des poires. Déteste être maudit un lundi. C'est bon, j'ai dit. Alors, en fait, moi, c'est les flèches me manquent. Voilà, ça m'ignore. Mais vous êtes tous chiants. Comment vous faites? Ça me rappelle un décor de Power Stone 2. Putain, j'allais la choper. Merci. 20 000 or. Des œufs brouillés. Ah, tout est bien qui finit bien. Allez, on arrive enfin dans ce truc là où c'est défoncé. On sait pas pourquoi c'est défoncé, on peut rien y faire. Une côte de bœuf ailé. Calme-toi. Calmez-vous tous. Et je voulais pas ce truc avec un œil. Non, je voulais pas un petit singe. Le chat qui fait tomber une bouteille de Perrier vide, il panique quoi. Genre, ah, on m'attaque. Je cherche une sauvegarde, merci. Là, le jeu, on va pouvoir commencer à explorer. Au fait, tu voulais me dire quoi, lol? Yeah! Avant, avant X, avec 100 Jugun. Ah,
J'avoue que le chevalier là maintenant qu'il a bien level up, il est assez stylé quoi. Il y a des trucs cool dans la vie. Oh là! Vu que ce bruitage faisait aussi beaucoup Marie Bob. Non mais quelle conne! Mais fils de putain! Et qu'est-ce que je ramasse? Bloc pétrification augmente votre résistance à la pétrification. Et augmente ta résistance tout seul. Mais c'était parfait là quand on avait l'espèce de griffon là qui nous avait tapé dessus. Je veux aller en haut de cette tour, putain on y était quoi. Putain, merci! C'est pour de l'or, hein, fait chier. Je fais quoi maintenant? Ah oui, je reviens là-bas. Oui! C'est fou quand même qu'ils aient réussi à faire la pire animation de sauvegarde de l'histoire de Castlevania, et c'est même pas Castlevania. Ah oui, il y avait un boss, très bien. Mais peut-être qu'elle m'a pétrifié. Oh, Carmilla. Il me faut plus de sang. Carmilla la putain rouge. Yeah.
T'as de la chance que la moindre collision me fasse des dégâts, parce qu'en fait t'attaques jamais, sale conne. Là, le jeu a vraiment frisé par contre. Merde, putain, j'ai gaspillé mes potions. Ah cool. Soko. Ouais, ouais, on a fait Symphony of the Night. Mais en fait, pendant que tout le monde fait Bloodstained, on ferait mieux de jouer à Symphony of the Night. Mais après, vous allez que me parler... Là, vous me parlez déjà que du playthrough de MV. Vous allez me parler du playthrough de Hooper si on joue à Symphony of the Night. C'est agréable pour personne. Oh, un petit parapluie rouge. Un truc que t'as sur ta tête. Qu'est-ce que j'en fous? Qu'est-ce que j'en fous? Ah, c'est une arme. Ça va être forcément zéro. C'est l'arme de Kirby, quoi. Ah, par contre, elle peut faire ça. Attends, j'ai pas essayé d'explorer un peu vers le haut là. Mais en plus, tu peux aller par là. Rattraper. Non, mais je vais jamais jouer avec ça. Vous avez fumé. Ah, il est gratuit sur Xbox One en ce moment, Symphony, putain. Mais qui achèterait Bloodstained alors que s'il n'a pas encore fait Symphony of the Night? Il y en a un, c'est 100 fois le jeu que l'autre ne sera jamais, quoi.
Le parapluie. Le parapluie. Je vous ai dit que j'avais fait un rêve pseudo-lucide où j'achetais des Blu-ray de François où François Junot était acteur. Mais en fait, comme j'arrivais pas à bien imaginer... En fait, j'imaginais que je mettais l'intro d'un film et François Junot jouait dedans et tout. Et j'étais genre, oh, putain, je vais enfin voir d'autres images d'archives de François Junot, tu vois. Puis en fait, mon cerveau arrivait tellement pas à le reconstituer que... En fait, c'était juste malaisant parce qu'en fait, je voyais pas grand-chose. Mais t'es gentil, oui. Ah, c'était juste pour avoir la map. Ah, un deepfake de François Junot, c'est impossible. On a qu'une image de lui. Genre, tu peux pas faire un deepfake, c'est pas possible. Non mais gagne pas un niveau en allant casser une théière quoi, respecte-toi un petit peu. Je veux mes flèches. Elles font mal. Bah, c'était pas en trending ou je sais pas quoi en ce moment sur Twitter, genre l'amour pendant les règles ou je sais pas quoi. Non, c'était un Scopa Tumana que j'ai vu. Et effectivement. Voilà quoi, les cunis au parfum boudin, voilà, j'allais dire. Alors, en parlant de ça, j'ai mangé une andouillette. Oh là là. C'est tellement un poème quoi, elle coûtait 25 balles mais alors. C'est un chef d'œuvre quoi. C'était pas une triple A, c'était une quintuple A. Mais elle était de qualité plus que supérieure. Enfin, c'était. Enfin, si vous connaissez pas ce truc qui sert en général assez tard d'ailleurs. C'est pas qu'ils ferment assez tard, c'est qu'ils. Enfin, ils ferment assez tard. Mais ils reçoivent pas, tu peux pas y aller. Contrairement aux idées reçues, tu peux pas y aller à 2h du matin, c'est le cochon volant. Et boostify maximal. Hein. Ouais, d'accord, et on arrive là où il y a les poissons. Thank you.
vue était bonne, ça sent la sode. Non, non, mais là, oh là là, une sauce à la moutarde à l'ancienne. Divin. Tiens, je vais prendre ce bouquin. Waouh, la pénétration! Incroyable, mais on sent les images. C'est qu'on pourrait découvrir toutes les zones de la Terre. J'ai l'impression d'être un touriste dans ce jeu, quoi. Le fait que la caméra, la carte soit pas centrée dès le début, pourquoi? Ça m'a... Par contre là, c'est un petit peu exigu pour... Yage. Alors c'est bien, tu vois, les lumières, les petites lumières dynamiques là. Oh là, des yeux. Les petites lumières dynamiques sur les... Tu vois, sur ces merdes là. Genre tu vois, quand tu pètes ce truc. Oui, c'est moins, c'est plus éclairé par le machin. Et ça, c'est bien fait. Il y a même aucune, y a aucune douceur quoi, t'as juste l'impression de... d'enlever des textures en fait. Oh, de la palmure de crapaud. Mais bon, le chevalier a un coup spécial désormais. Vous voyez ce que je veux dire quand je parle de jeu de scorique, de scorique, quoi. Alors des fois ça me joue des tours hein, parce que du coup je joue tellement pas ma vie que du coup je meurs bêtement quoi. Chips, mais c'est pas suffisant, c'est pas ça que veut la mamie quoi. Oh non, j'en ai marre de l'eau. Ou pour l'instant j'ai pied. Mais dans l'eau ça va être horrible, on va s'emmerder mais... Je veux qu'un petit success team, je sais pas ce que c'est. Quoi? Ah mais non, mais me dis pas qu'il fallait que j'aille à deux pas du truc. Non, parce que là c'est chiant. Je vais pas remonter. Me dis pas qu'en fait c'est que connerie, c'est parce que je suis pas allé à côté là.
Mais regarde, l'animation elle se bloque toute seule là. Ça c'est un jeu fini ça. Atomium, viens à mon secours. Regardez ça. Non, je demande juste à Atomium de me sauver. J'ai pas dit qu'Atomium a dit que le jeu était parfait. Hein. Encore une fois, le truc qui te fait plus peur, c'est des grenouilles, quoi. Je veux pas être immunisé à la pierre, je veux taper fort avec mon truc spécial pour les grosses épées. Très très important. Non mais pas des buères quoi. Ok, 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 on va bloquer pétrification. L'anneau de la rose. L'anneau de la rose. Compléter le bout de la map quoi. L'anneau de la rose, mon ami, la femme, prête-moi ton corps pour écrire des choses. Si cette map vous la trouvez excitante, j'y peux rien pour vous. Oh, j'ai récupéré une queue de démon et preuve de chasse. Réduit la consommation de PM. Intéressant. Bon, effectivement, cet endroit avait l'air important. Mais les souterrains sont trop grands, c'est bon. Merde.
Me demandez pas, j'avais un certain instinct, quoi. Non mais c'est la même map que Aria of Sorrow en pas bien. Avec du fun en moins. Bravo. Qui bug. Ah oui, on va enfin ouvrir la porte. Ouais. Ouais. Ah ben non, on peut pas. Je sais pas nager. Elle a encore bugué. On fait quoi maintenant? Mais c'est honteux quoi, oui, c'est honteux. Ah oui, c'est ça, ah oui, c'est vrai que tu peux faire la safe state, oui. Putain. Mais merde à la fin quoi. Quoi? Mais pourquoi j'ai... Pourquoi je donne des coups de pied? Il m'a déséquipé. Non mais... Je vais pas utiliser des transpierres quand le jeu est juste cassé. C'est tout. C'est genre le jeu il est pas gratuit. Pas un doujing game quoi. Avec mon cœur de démon. Oui, voilà, là on va enfin l'ouvrir. Et voilà. Wouhou! Du coup, on peut faire soit passer de là pour aller là. Soit... Ah, maintenant, tout le monde est low level quoi. Yeah.
Eh oui, je ne peux pas joindre les deux bouts. Là, c'est juste parce que je suis un peu radin. Mais ta gueule, Buer! J'ai pas remarqué que je m'en foutais! Pourquoi j'ai mis un marqueur ici? T'es bourré ou quoi? Merde! Oh là, comment j'ai rien foutu quoi. Aïe. Est-ce qu'on peut commander des vrais ennemis quoi? Ou de la tension? Castlevania Symphony of the Night, tu peux craquer le jeu si ça te chante, mais en vrai, c'est pas spécialement malin hein, contre les boss. Hein. Encore du poisson fou, ça pour ça. Attends, il y a quelqu'un qui m'a mis la puce à l'oreille, qui m'a dit genre, mais il était dans la bonne salle pour la progression. Eye of Sorrow est assez simple. C'est vrai. Eye of Sorrow se bourre. Mais il est agréable à jouer et à refaire. Les musiques sont mille fois mieux. Ah oui d'accord, le truc me tape comme ça quoi. Putain, je veux mes flèches. Nazaré, le château Marcier, un des premiers ennemis lâche une épée qui enlevait le fun du jeu. Ah ouais. On pourrait pas spécialement le dire, mais... Mais je vois pas ce que je pourrais faire de... Mais non, mais ils sont encore... Ils sont encore bloqués là! Y a rien off Sorrow quoi. Cette fois il m'a pas enlevé ma
ma truc quoi. Je pense qu'il n'y a plus trop de trucs avec le vol de sang. Mais... Vraiment, vous avez dit c'est bien mongol. Ici, il faut certainement farmer la méduse. C'est vrai que j'ai essayé de tuer les méduses. Mais elles font mal au cul. N'importe quoi. Non mais là au bout d'un moment le jeu c'est de la merde. Quoi, mais c'était pas du tout là où j'étais. Putain, mais putain de jeu cassé quoi. Je peux plus utiliser ma nage. Normal, t'as switch. Non, j'ai aquatique, je l'ai là. Mais j'ai pas switch de shortcut de quoi que ce soit. J'ai juste essayé de taper parce que je m'énervais contre le coffre. Ça marche pas de changer d'arme. Oui, non, mais le coffre, j'ai compris qu'il faudra qu'on trouve autre chose. Qu'on vide le niveau ou je ne sais quoi. Mais en attendant, est-ce que c'est pas de la merde? Banzai Live! Allez, 3h du matin, je vais vous laisser là-dessus. Hein. Non, mais je suis pas là pour débugger les jeux.